عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من مستمعي الإذاعة الوطنية وعلى رأسها القناة الأولى والبهجة. أنا نسمع شوية إذاعة جزائرية كما البهجة، جيلا فام، إذاعة بليدة بما أني مقيمة في بليدة. نسمع لي ماتش جو شونج أشاك فوا أشاك فوا سي انتريسون. ونحبوا بزاف إيربن. بيسك يدير لي سوجي يعجبوا لي جان. عامة كاين بزاف كاين تحسن، دايما كاين جديد، دايما شغل تزيد تعلم تزيد تقفي تشوفي شو صاير في السوسيتي تاعنا ايتو. كاين دي سوجي باغ اكزومبل شوماج، حنا لا جونيس لي ستوديون ما يعطولهمش هكذا امبورتونس بزاف. برامج يركزوا على المشاكل الاجتماعيه، المشاكل الاجتماعيه تاع المجتمع الحالي. Il y a un manque dans les sujets. Il traite souvent des sujets pas tellement en première situation du pays, des jeunes. على مدى إذاعة الجزائر تزيد تتطور قد ما يكون. Un énorme chantier, que dis-je, un colossal chantier a été lancé pour ce qui est de la formation. Sound engineering is something I've done all my life. Respecter l'éthique et la déontologie, essayer d'avoir toutes les parties concernées quand il s'agit par exemple de débat national. Donc faire du service public, c'est vraiment être au service de l'auditeur. Radio Jeune, BBC, expérience, école, l'échange est important. La radio algérienne, bien sûr, est un service public, mais diffuse également de la publicité. Quand c'est des formations qui viennent de l'étranger, ça permet en fait d'échanger, de voir ce qui se fait ailleurs. Le défi, le seul, c'est le défi de la hiérarchie. Lemon. I'm Sean Keegan. I'm working here with our partners at Radio Algeria. I'm Director of Media Action in Algeria, and I'm happy and privileged to be here working on lots of different training programs. Radio is much more than just listening. Of course, the important thing about radio is the audiences, the interactivity, and these days, the technical platforms that allow us to share and to interact with the audiences. Suhad Hama, head of Algerian Radio Multimedia. My team has never been so excited to be trained by BBC trainers. BBC bring in a fantastic training in short video, editing video, and social media management. It's been a really busy week at Radio Algiers. We've been looking at ways to use graphics, pictures and video on social media platforms to increase and encourage audience interaction and involvement in the programs. Well, broadcasting is changing. It's essential now to serve content to people on a number of different devices in different ways and try and generate interest and enthusiasm across the whole social media landscape. Mourad Wadahi, directeur de Jil FM Radio Jeune. Il est important de pouvoir, tout au long de notre carrière, d'échanger et de maîtriser les nouveaux outils, comment gérer donc tout ce nouveau flux d'informations, les nouveaux modes de travail. Maintenant, si on veut parler de la formation à Jil FM, c'est encore plus pointu parce que c'est une radio jeune, parce que la composante est jeune. Il est important aussi que nous puissions adapter ce que nous recevons de formateurs, de gens de l'expérience de la BBC à notre culture, à notre population et puis surtout à cette jeunesse. Salam alaikum, ma'akoum Riyad Aberkan, animateur Jill Morning à la Jill FM. La créativité, c'est ce qui nous permet de se renouveler à chaque fois. C'est de ne pas tomber dans la routine, de ne pas tomber dans la répétition. Et c'est à ce niveau-là que les techniques diffèrent et que le rôle de la formation est très important. Ce qui est génial avec la BBC, c'est qu'en jetant un coup d'œil sur leur modèle, qu'on a appris beaucoup de techniques sur comment arriver à produire réellement un auditoire bien précis. Donc ce qui faisait que j'ai appris personnellement à faire passer le message comme il se doit. Thank you.
En matière de formation, c'est un énorme chantier qui a été lancé. Quand je dis énorme, je mesure vraiment le mot. C'est tous les métiers de la radio qui sont concernés. La radio algérienne, c'est près de 3700 personnes. On oublie que ce ne sont pas que des journalistes et des animateurs, ce sont une pléiade de techniciens, c'est tout un staff de logistique, c'est des personnes qui préparent en amont des émissions. Il faut travailler à faire en sorte que cette journée d'études qui a pour thème l'éthique et la déontologie soit juste quelque chose qui relève du réflexe, qui fasse partie de l'ADN de tous les journalistes. Hamid Messamri, directeur des ressources humaines de la radio algérienne. La radio algérienne qui veut garder son caractère et accomplir mieux ses missions de service public s'est intéressée à la façon de faire de BBC, et d'où la naissance de ce programme de coopération. Ce programme a commencé en 2012 et il a concerné l'ensemble des métiers de la radio. Nous avons initié des sessions de formation de formateurs qui, à leur tour, assurent des formations au niveau du centre de formation de Tipazin. مرحبا انا اسمي بشار شرف مراسل اذاعي تلفزيوني ومدرب اعلامي اجواء التدريب كانت في معظمها اجواء نقاشيه وكان في اساسها هو تبادل للمعرفه كنت المس التغيير مباشره تقريبا بعد اقل من اسبوع من الدوره احس انه في تغيير في الاداء وتغيير في المنتوج وهذا الشيء بالنسبه لي كمدرب ما بحسسني انه التدريب فعلا وصل لاهدافه فالصحفي يحتاج دائما لاضافه في حياته اضافه في حياته المهنيه هذه التجربه القصيره اتمناها ان تطول وان تتكرر مثل هذه اللقاءات مثل هذا التواصل الإعلامي ما بين الإعلاميين هذه الدورة تعتبر مكسب لنا على مستوى مختلف الإذاعات المحلية أنا سعيد بهذا التبادل الخبراتي بين مؤسسة إعلامية عريقة هي مؤسسة بي بي سي ومؤسسة الإذاعة الجزائرية بمختلف محطاتها Hi, I'm Liz Kennedy. I'm an HR and change management specialist and I've been working with Radio Algérienne for 3 years since the start of the project. The most successful part of the project has been working together and Radio Algérienne and different departments working together successfully. We started off working with middle managers, which I think was a fantastic way of doing it. They've since become friends and colleagues, and we've been able to work with them, moving from a classroom-based process into a developing programs-based, an on-the-job training program. I'm Najla. I work on research for the BBC Media Action project in Algeria. Which means evaluating our project activities, including training, and also doing audience research. So one of the really important public service values that this project has focused on is audiences, so putting audiences at the heart of what we do. So one of the really interesting things that I was involved with last year was doing some audience research training with people at Gilles FM, and then bringing together some focus groups of people who listened to the show Ace Truth, and hearing what they had to say about the programme. What they liked about it, what could have been improved. And it was really interesting for me to see how that worked, and I think it was really valuable for the team to see what the feedback was. I'm Keith Ricketts, and I've been running training of trainer courses with Radio Algeria. A lot of the staff that I've trained have not only come from Algiers, but throughout Algeria, from all the local radio stations. Hélène Hachmi, journaliste à la chaîne 3, animatrice de l'émission matinale, invitée de la rédaction. Notre conception aujourd'hui, c'est de vérifier toutes les informations avant de les diffuser. Dans un débat, on doit avoir tous les avis. L'avis pour et celui qui contre, celui qui soutient et celui qui dit non. Et puis voir, bien sûr, l'évolution de la situation au fur et à mesure. Bonjour, monsieur Mourad Zemali, bonjour. Bonjour. Par rapport à leur taux de chômage avec les... Les journalistes d'aujourd'hui sont en face à un défi très important. Un journaliste a besoin maintenant de faire son propre montage, son propre mixage, prendre des photos, voire même des vidéos, et savoir écrire même pour le web et les différents réseaux sociaux. Myriam Créteau-Carole, je suis formatrice avec la BBC sur le projet
de partenariat avec la radio algérienne depuis 2 ans. Mon domaine, c'est la publicité et le marketing. Donc, je travaille ici avec l'équipe de la régie publicitaire basée à Alger, aussi les attachés commerciaux des 48 radios locales, à peu près 100 personnes. Notre mission est de préparer le groupe de la radio à l'arrivée de la concurrence et des chaînes privées, surtout à l'ère des plateformes digitales. Et puis, bien sûr, comment se positionne la radio. Smaïr Chni, directeur de production à la chaîne 2, chaîne d'expression Amazigh. C'est une formation qui nous a donné l'occasion de mieux connaître nos faiblesses, nos points forts, nos menaces et nos opportunités pour faire face aux défis professionnels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Diversity. My name's Carl. I'm a sound engineer. The BBC asked me to teach a basic sound course, so I've constructed what I hope is a simple and informative basic structure of sound and sound engineering for the students here in Algeria. I think you should always stay interested in your job and stay learning. I've always loved my job, and I still do, and I'm learning all of the time. And so to share my experience with everybody else has been wonderful because it also reminds me of what I don't know and what I've what I've forgotten. Latif Badr, chef département réalisation et habillage au niveau de la chaîne 1. On a participé à un stage, on était une dizaine de personnes. Il y avait des chefs de département, il y avait des sous-directeurs. Avec l'expérience qu'a la BBC et les journalistes de la BBC, on a pu avoir quelques trucs pour savoir gérer nos éléments. L'éthique et la déontologie doit être le squelette de notre métier, c'est-à-dire doit être la moelle épinière. Les anciens nous ont appris à respecter ce métier, ils nous ont appris à bien le faire, comment le faire. It's something that I've always wanted to do and it's something that I hope to do again. Ça a été pour moi un véritable enrichissement personnel cette expérience, j'ai beaucoup appris. لازم كل يوم تخمم كيفاش تقدر تجيب الناس هادو كاع تجيبهم لعندك. Je crois que c'est là où se trouve tout le plaisir et le défi avec l'IDA, la radio.